hört Corona, wenn man die Zeitung aufschlägt, man hört Corona, wenn man den Computer anschaltet, wenn man den Fernseher anmacht. Und auch wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, unterhält man sich eigentlich nur noch über Corona. Was die Politik angeht, ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die Jugend sich schon vernachlässigt gefühlt hat. Und jetzt, wo es Lockerungen gibt und es wieder, sag ich jetzt mal, nach vorne geht mit Hoffnung, wird nicht so viel für Jugendliche bzw. junge Erwachsene getan. Ich habe, glaube ich, vorher nie bewusst so viele Reden mir auch angehört oder auch Pressekonferenzen mir angeguckt. Das würde ich auf jeden Fall sagen, ist eigentlich auch positiv. J'ai eu ce sentiment que on avait vu dans cette crise à quel point l'Europe, l'amitié franco-allemande pouvait être importante. Je sais que j'aime beaucoup faire passer des messages sur les réseaux sociaux, sur des sujets qui me tiennent à cœur. Le premier étant en tout cas l'écologie. Et je suis heureuse de voir que de plus en plus de jeunes le prennent à cœur également. Sachant que c'est vraiment un combat qui fait tout à fait sens aujourd'hui. Donc pendant la pandémie, on a beaucoup parlé du corona. Et j'avoue que pendant la pandémie, j'avais un ras-le-bol de cette thématique-là. De l'autre côté, je me suis un peu plus impliqué politiquement. Je me suis intéressé à d'autres thématiques, par exemple tout ce qui est question de discrimination suite aux événements qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, tout ce qui est mouvement Black Lives Matter. Mir fehlt auch, sage ich mal, noch eine tiefliegendere oder tiefgreifende Auseinandersetzung eigentlich auch mit unserem Verhältnis zum Tod. Il y a des moments où je vais me sentir vraiment très optimiste, vraiment je vais avoir envie de faire plein de choses. Et me rendre compte qu'il se passe quand même plein de choses malgré le contexte.